parmi nous Madame Ava Ndiaye, présidente de l'association Espace Afrique, représentante et coordinatrice de la société civile africaine au sein de l'Union africaine à Genève. Monsieur Auguste Essama, secrétaire général de l'Association internationale pour la justice, l'égalité, l'insertion et la paix, bienvenue. Monsieur Diogène Ndasseni, président de la Ligue panafricaine Umoja, bienvenue. Mademoiselle Doudou Kelech, qui est la coordinatrice des relations internationales à l'ONU pour le Conseil Justice, Égalité et Paix, donc COGEP, et Monsieur Béchir Nevzi, qui est directeur de l'ODES, l'Observatoire de la diplomatie et des études stratégiques, conseiller de l'ancien président tunisien Monsef Marzouki. Bienvenue. Donc je vous l'avais dit, je le redis, nous avons avec nous des intervenants de marque et des grosses pointures dans leur domaine. Donc aujourd'hui, le vif du sujet, c'est le pacte de Marrakech. Qu'est-ce que le pacte de Marrakech? C'est un document qui a été signé en 2018 par plus de 150 pays et qui a été adopté donc à Marrakech, c'est pour ça qu'on a appelé le pacte de Marrakech. Ça concerne objectivement, de manière générale, les facteurs qui forcent les individus à chercher un avenir hors de leur pays d'origine, donc la migration, à réduire les risques auxquels ils font face lors des migrations, à créer des conditions d'accueil favorables. Donc ça va être le débat d'aujourd'hui. L'idée principale du pacte est de promouvoir des migrations sûres, saines, ordonnées et régulières. Il vise à rassembler les pays de départ, les pays de transit et les pays de destination finale. Donc, autour d'une vision commune, et le but étant de promouvoir un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine. En Europe, les arrivées d'exilés, notamment en provenance du continent africain, devraient encore se multiplier, malheureusement, dans les décennies à venir. Je dis malheureusement parce que c'est un problème d'ordre mondial. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce problème migratoire est un problème uniquement du continent africain, parce que la migration se fait vers les pays développés, notamment comme l'Europe. Donc c'est un tabou ou un sujet qui nous concerne tous et qui nous porte à cœur, qui devrait être solutionné et réglé, peut-être différemment que les solutions apportées aujourd'hui. Donc on va débattre de cela. Alors en Europe, les arrivées d'exilés, notamment en provenance d'Afrique, devraient se multiplier les décennies à venir. Comment s'y préparer? Quelles politiques faudrait mettre en place? Ou quelles sont les politiques mises en place? Est-ce que ça correspond bien à ce problème migratoire? Quelles sont les autres solutions qu'on pourrait apporter pour répondre à ces questions? Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous nos intervenants. Donc, je passe la parole rapidement à Monsieur Auguste Essama, qui est, je le redis, secrétaire général de l'Association internationale pour la justice, l'égalité, l'insertion et la paix. La parole est à vous. Étant limité par le temps, nous allons faire une tour de table de 5 minutes chacun pour qu'on puisse avoir un deuxième round et laisser aussi la parole aux participants pour qu'on puisse un peu débattre des différentes idées. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais d'abord remercier le COGEP, le Conseil pour la justice, Conseil pour la justice, l'égalité et la paix. En effet, comme je le disais, c'est notre premier partenariat ensemble et il a été couronné de succès, donc je m'en félicite pour ce début. Ceci étant dit, la présentation de notre organisation, qui sommes-nous exactement? Nous partons d'un principe que la plupart des ONG basées en Europe n'ont pas d'ancrage direct en Afrique. Raison pour laquelle nous avons décidé de travailler avec une ONG basée au Cameroun, et notamment basée au Cameroun, et qui a des ramifications un peu partout sur le continent africain, de manière à ce que nous ayons vraiment une approche de terrain en fait sur ce qui se passe et pour qu'on puisse prendre le relais ici en Europe.
Donc c'est vraiment notre approche déjà. Notre organisation s'appelle l'Association internationale pour la justice, l'égalité, l'insertion et la paix. Vous voyez par là que déjà avec le COGEB, nous abordons déjà les mêmes thématiques, dont les thématiques qui nous intéressent. Et le pacte de Marrakech notamment, vous l'avez bien dit, monsieur le président de séance, aimerait vraiment mettre en lien les pays dits d'immigration et les pays d'émigration. Donc, c'est-à-dire que ben voilà, on essaie de mettre en œuvre des processus permettant, enfin, d'ajuster tous les processus, toutes les structures de manière à ce que les personnes qui sont ici en Europe ou bien qui veulent venir ici en Europe puissent avoir un accès facile pour se déplacer. Ceci étant dit, vous l'avez bien souligné aussi dans votre introduction, il faut savoir que le pacte de Marrakech part d'une scène qui était horrible, notamment cet enfant syrien que tout le monde a vu sur la plage, mort parce que bon, voilà, elle tentait avec ses parents, tentait de rejoindre l'Europe. Et c'est dès lors cet instant que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a décidé de faire quelque chose. Et ce pacte de Marrakech, autrement appelé le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, c'est un pacte non contraignant pour l'instant. Bon, c'est-à-dire que les États, s'ils le violent, il n'y a pas de poursuites qui peuvent être engagées contre ces États. Ceci étant dit, c'est aussi un pacte qui constitue un avancé très important dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'autrefois, la gestion de l'immigration, elle a toujours été du côté du Nord. Et aujourd'hui, on essaie quand même de mettre tous les États ensemble de manière à ce qu'on puisse trouver une solution sur cette problématique qui nous concerne tous, donc c'est-à-dire le pays d'accueil, le pays de départ, le pays de transit. On a vu en Libye comment sont traités certains frères africains et le pays d'arrivée, donc c'est-à-dire la discrimination dont sont victimes des migrants en Europe, notamment en matière d'aide sociale, en matière juridique, en matière de droit au logement, dans plusieurs domaines. Donc c'est vraiment aussi en avance, et même s'il est encore dépourvu de caractère contraignant aujourd'hui, c'est un pacte qui illustre quand même un avancé. Et pour ça, au nom de notre organisation, nous tenons aussi à saluer le travail fait par les Nations Unies, qui n'est pas facile de réunir un aussi grand nombre d'États sur une même cause. Alors, je vous parlais des principes et des valeurs qui nous unissent, notamment la valeur de la paix, de la justice. La valeur de la paix et de la justice. Ce sont des choses, des thématiques qui nous intéressent fortement, et cela nécessite de repenser un peu le fonctionnement aujourd'hui et des institutions. Nous sommes ici aux Nations Unies, vous savez sans doute que le Conseil de sécurité des Nations Unies a comme prérogative la sécurité internationale et notamment le maintien de la paix, selon la Charte des Nations Unies. Ceci étant dit, notre organisation qui milite pour la paix, le COGEP aussi, nous pensons que nous devons un peu amener une réflexion sur ces institutions qui nous gouvernent aujourd'hui, de manière à ce que, ben voilà, notamment le pacte de Marrakech, qui constitue une avancée dans l'histoire de l'humanité, puisse s'adapter en fait à ces structures. C'est un peu dans ce sens-là que nous essayons de travailler. Et cela est très important parce que bon, les Nations Unies aujourd'hui, je ne vais pas refaire l'historique compte tenu du temps que nous avons à disposition, a été créé par rapport à des exigences d'une certaine époque. Et aujourd'hui, le pacte de Marrakech a sa place aujourd'hui aux Nations Unies. Et si on veut parler, justement, aller dans le fond, parler de paix, il y a quand même certaines prérogatives que nous devons aussi amener une réflexion, notamment la paix. Parce que ces personnes qui bougent d'un pays à un autre, ce sont aussi des personnes qui sont victimes, notamment des guerres. L'illustration la plus parfaite est la guerre en Syrie, où voilà, on se disait toujours que la guerre qui est loin, elle ne peut pas nous atteindre ici. Aujourd'hui, on voit que les personnes peuvent, lorsqu'il y a une guerre, se déplacer en masse, traverser des frontières et arriver en Europe. Donc c'est un problème. Est-ce que nous voulons la paix? Et si nous voulons la paix, essayons de réfléchir tous ensemble. Comment est-ce qu'on peut restructurer les institutions qui nous gouvernent aujourd'hui? Donc c'est un peu le sens de notre travail. Et pour continuer dans ce sens aussi, je veux dire, on est tous ici à Genève, moi je suis originaire du Cameroun, donc nous condamnons aussi, par exemple, le nuage sombre qui plane un peu sur ce pays actuellement.
Vous avez tous suivi les derniers échauffourées qui ont eu lieu ces derniers jours à Genève, sans doute. Ainsi donc, notre organisation qui milite pour la paix et qui est investie de cette mission de promouvoir la paix, condamnons ce genre d'attitude qui ne constitue qu'à ramener les pays africains en arrière. En fait. Donc c'est un peu le travail que nous faisons et le pacte de Marrakech aussi devrait aussi s'insérer dans ce sens-là. C'est-à-dire, s'il y a une instance qui est créée, mise en place par les Nations Unies et qui permet de mettre en œuvre, donc de rendre notamment contraignant ce pacte, devrait aussi s'intéresser à ce genre de principes. Parce que je le disais tout à l'heure, le Conseil de sécurité des Nations Unies est investi, selon la Charte des Nations Unies, d'une mission importante, à savoir la sécurité internationale et le maintien de la paix. Et vous savez que les décisions, pour schématiser et parler rapidement, les décisions qu'il prend, ce sont des décisions qu'on appelle des résolutions et qui ont un effet exécutoire, dont les États sont quasiment obligés de le respecter, pour autant que voilà, les décisions sont prises à l'unanimité, parce qu'il y a le droit de veto aussi qui par moment bloque des décisions. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, compte tenu du temps que nous avons à disposition, je comptais partager avec vous cette réflexion qui s'illustre par le pacte de Marrakech. Comment est-ce que nous pouvons le mettre en œuvre et saluer déjà aussi cette avancée qui est très importante compte tenu de l'actualité que nous avons aujourd'hui, en tout cas sur la scène internationale. Merci de votre attention. On remercie M. Auguste. Il l'a dit, on va le rappeler, concernant le pacte de Marrakech. C'est une chance pour, disons, le monde ou pour une migration sûre. Donc on félicite ou on se félicite de ce pacte, bien sûr, mais j'aimerais aussi qu'on puisse réfléchir à voix haute par rapport notamment à l'Europe qui accueille cette migration. Quand vous regardez sur les 10 dernières années, nous avons une montée de la politique d'extrême droite dans beaucoup, beaucoup de pays en Europe. Donc pensez-vous que ce montée de l'extrémisme droite va favoriser ou favorise cette migration sûre? Est-ce que ces pays, aujourd'hui et surtout demain, vont être encore d'accord et objectivement pour pouvoir mettre en place cette migration sûre? Ou vont rejeter comme des exemples qu'on voit, notamment ces derniers temps concernant les frontières en Italie, la France qui ne veut pas accepter tel... Vous comprenez les détails dont je veux vous parler. Donc je pense qu'il y aura encore un impact majeur au niveau de l'Europe avec cette montée de l'extrême droite qui commence à prendre vraiment de l'ampleur dans la sphère politique. Donc je rebondis tout de suite et je voudrais redire bienvenue à chère madame qui est parmi nous. Et j'aimerais, si elle le veut bien, lui passer la parole. Alors, j'aurais simplement souhaité vous dire que Marrakech a été l'aboutissement d'un long cheminement. D'un long cheminement dont la communauté internationale, sous le secrétariat général de Kofi Annan, en 2001, avait tout simplement dit, lors de cette conférence du Millennium, où on a voulu jauger l'état du développement dans le monde, il faut désormais pister les possibilités que peuvent avoir des pays du Sud, des pays pauvres, puisque tout le monde sait que ce qui s'est passé à New York en 2000 a été défavorable à l'Afrique dans tous les plans, sur tous les plans. Un continent où l'éducation était presque par terre, la santé problématique, le niveau de vie, donc pauvreté, maladie, etc. Voilà les statistiques qui ont été défavorables à l'Afrique. Et
le secrétaire général de l'époque, M. Kofi Annan, africain, a interpellé des entités, en commençant par la société civile. À l'époque, au forum des ONG, il nous a tout simplement exhorté, la société civile africaine, à se regrouper et à ne plus regarder les dirigeants en chien de faïence, comme il disait, mais nous regrouper et essayer, aux côtés des dirigeants africains, de chercher des solutions à la problématique du développement. En même temps, il s'est tourné vers les institutions internationales et les gouvernements, en leur disant, il faut désormais créer un espace de dialogue. Un espace de dialogue pour que la migration rime avec atout. Donc la Belgique a été le premier pays à se jeter à l'eau et c'est là où il y a eu le premier Global Forum on Migration and Development en 2001. Suivi par Philippines en 2008, suivi par le Mexique en 2010, non, 2009, c'était la Grèce, 2010, le Mexique, 2011, c'était la Suisse, pour abriter ce GFMD, Global Forum on Migration and Development. La Suisse venait de rejoindre le rang des nations qui siègent aux Nations Unies. 2012, c'est la première fois qu'il y avait l'Afrique. C'était à l'île Maurice en 2012. La Turquie en 2013. Etc, etc. Et Marrakech, après l'Allemagne, Berlin en 2018, il y a eu ce co-chair entre le Maroc et l'Allemagne. Donc, c'est pour vous dire que Marrakech, c'était l'achèvement d'un long cheminement de dialogue sur la migration et le développement. Pour ne pas monopoliser donc, la parole, puisque vous avez droit aussi à un temps de discussion avec la salle. Je voudrais simplement dire qu'après Marrakech, l'Union africaine s'est réunie le 18 juin dernier à Lusaka. À Lusaka, c'était donc le 18 juin dernier, les chefs d'État qui étaient présents à Lusaka, plus les chefs d'agences régionales. Tout le monde sait qu'on a 5 régions africaines, plus la diaspora, 6e région. Ils se sont retrouvés le 18 juin dernier, tout simplement pour mettre en place, comme ils disent, une position commune africaine pour que cette migration ne soit plus sujet à des problèmes, mais qu'on puisse ce que l'Afrique peut recevoir donc de cette diaspora 6e région. Donc l'engagement de la diaspora pour 2 atouts, puisque les chefs d'État s'étaient réunis en 2003 à Addis Ababa, donc sous l'instigation encore de M. Kofi Annan, qui leur avait dit tout simplement à l'époque, pister tout ce qu'il y a comme possibilité pour que les filles et fils d'Afrique, de l'intérieur comme de l'extérieur, participent réellement au développement du continent. Donc c'est en février 2003 à Addis Ababa, après moult discussions, parce que dans la tête de plusieurs chefs d'État africains, cette diaspora-là renferme aussi des opposants
cette diaspora-là, parfois, c'est des gouvernements en exil pour remplacer ceux qui sont assis dans les fauteuils présidentiels. C'est comme ça que le chef d'État du Sénégal, le président Abdoulaye Wade et Toumani Touré, deux pays africains qui comptent sur ces transferts de fonds des migrants, qui ont dit tout simplement, il faudrait que cette diaspora-là rentre de plein pied dans les recherches de solutions pour le développement de notre continent. Donc, pour deux atouts majeurs, comme je le dis souvent, les premiers immigrés africains, c'était des analphabètes, on le sait. C'était des ouvriers, c'était des balayeurs de rue à Amsterdam, à Paris, à Londres ou ailleurs. Mais il y a une deuxième, troisième génération, c'est-à-dire les enfants de ces premiers immigrés. Ils sont sortis d'excellentes écoles. C'est des ingénieurs de tous bords. C'est des informaticiens de talent. C'est des professeurs, c'est des médecins, c'est des chercheurs. Donc il faudrait que l'Afrique puisse ses compétences de la diaspora africaine. Ça, c'est d'un. Et deuxièmement, les transferts de fonds des migrants. Les institutions financières, dont la Banque mondiale, nous parlent d'un transfert de fonds de 600 milliards de US dollars. Toute diaspora confondue. Il n'y a pas que les Africains. Il y a les Latino-Américains, il y a les Asiatiques, etc., etc. Donc, à Lusaka, sur 8 piliers dont je vais vous lire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'engagement de cette diaspora pour ses compétences, mais aussi pour les transferts de fonds qu'il faut capitaliser. Il ne faudrait plus que ces transferts de fonds servent à des besoins ponctuels, mais qu'on capitalise et qu'on permette à une diaspora entrepreneuriale d'avoir accès à un fonds de garantie et que les banques leur donnent l'argent nécessaire pour créer des entreprises dans les pays d'origine, créer la richesse et l'emploi. Donc je vous lis les 8 piliers qui ont été discutés à Lusaka, par les chefs d'État africains. J'espère que ce n'est pas très long, Madame la Présidente. Non, il n'y a que 8 piliers. Oui. Je vous les lis simplement, nominativement, et puis on passe à la discussion. Donc, l'objectif principal de cette réunion de Lusaka était d'examiner le projet de plan d'action sur la base d'une position africaine commune révisée et qui identifie les 8 piliers clés suivants. D'abord, la gouvernance de la migration. Deuxièmement, la migration de main-d'œuvre et d'éducation. Troisièmement, l'engagement de la diaspora dans plusieurs domaines. La gouvernance frontalière. Cinquièmement, la migration irrégulière. Sixièmement, le déplacement forcé. Septièmement, migration interne. Et huitièmement, migration et commerce. Je vous remercie. Et je passe tout de suite la parole à M. Diogène Ndasseni, qui est président de la Ligue panafricaine UMOJA. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je remercie le COGEP. Je ne vais pas faire long, d'autant plus qu'il y a déjà des choses qui ont été dites. Un angle a été ouvert tout à l'heure par rapport à la situation dans les pays d'accueil. On ne peut pas donc parler du pacte de Marrakech sans comprendre la situation des pays de départ. Car, disons-nous la vérité, les oppositions suscitées en Occident contre le pacte de Marrakech sont bien dirigées principalement envers les flux migratoires venant de l'Afrique noire. De plus en plus décomplexés, intellectuels, politiques, militants politiques, jusque dans les rangs des Gilets jaunes en France, cette classe censée représenter les laissés pour compte de la mondialisation, toute une série de contre-vérités ont été effectivement déversées sur le pacte de Marrakech. Organisation massive du remplacement des travailleurs en Europe, bradage de la souveraineté des États européens à l'ONU, censure des médias anti-immigration, etc. La question ici est de savoir comment et pourquoi vient-on à s'opposer à un
texte non obligatoire aux États signataires, sachant par ailleurs que les plus grands flux migratoires sont intra-africains et qu'au final, plus d'un tiers des États rejettent le texte. La réponse à cette question peut s'expliquer par le fait que les oligarchies politiques occidentales et le capital hégémonique multinational ont réussi à désolidariser les travailleurs occidentaux des conditions précaires de leurs collègues d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. La rationalité marchande est opérationnelle et si efficace, telle la géopolitique de la forteresse de l'entre-deux-guerres, qu'elle a convaincu le travailleur européen que c'est grâce à ses propres efforts qu'il a réussi à vaincre la faim, à vivre dans une société libre et prospère, à protéger ses droits civiques, à développer une industrie militaire pour se protéger. Ainsi, le travailleur européen est devenu le complice convaincu ou involontaire de la fonctionnalité marchande du capital contre les dominés d'Afrique et des autres continents. Mais comme le capital hégémonique multinational n'a pas de morale ni de frontières, après avoir appauvri l'Afrique, il désindustrialise en fait l'Occident pour les bas coûts de production en Asie et en Europe de l'Est. L'aliénation du travailleur occidental est tellement avancée qu'il ne peut pas comprendre les ressorts de son malheur. Le bouc émissaire est tout trouvé, c'est l'Africain immigré, qu'il convient de criminaliser, de tenir loin du paradis européen. Une idéologie idéale et de rejet et de l'extrémisme est convoquée pour fluidifier tout ça. Il y a donc en Europe et en Amérique sont gagnés par la vague impressionnante de ce que certains spécialistes qualifient de peuplocratie. Le peuple occidental doit se rendre à l'évidence. On ne peut construire le bonheur et la prospérité chez soi tout en propageant le malheur et la désolation chez les autres. Et sans conscience de son aliénation au capital multinational, par son travail quotidien, il devient producteur et reproducteur de la permanence du capital sur les êtres et sur les choses. Aucun être, aucun pays ne sont des îles. Nous nous construisons tous dans le regard des autres, dans la complémentarité et la réciprocité. Pour chaque martyr de la sous-alimentation, pour chaque martyr des routes mortifères d'immigration, pour chaque martyr des viols comme arme de guerre, il existe un assassin. Non, l'Europe, et plus généralement l'Occident, ne s'est pas construit en autarcie par les seules qualités des habitants et le génie de ses dirigeants. Il y a une rente historique qui a permis à l'Europe de prendre une telle avance. Comme toute rente, elle est épuisable. L'Égypte pharaonique, entité autosuffisante, puissance impériale, durant plusieurs millénaires, conquise par Rome, réduite en simple colonie, fournissant du blé destiné à nourrir le peuple de Rome, afin qu'il ne se révolte jamais contre l'empereur, doit inspirer les uns et les autres. Les géopolitiques des quatre derniers siècles ont assigné le même rôle à l'Afrique, fournir à l'Occident la force de travail humaine gratuitement, l'uranium, le cuivre, le bois, le pétrole, le caoutchouc, le cacao et j'en passe. Non, la pauvreté qui est à la base des flux migratoires, ne relève pas du déterminisme historique et encore moins du refus du développement des Africains, comme certains observateurs afro-pessimistes se plaisent à le dire. La liste des assassinats est longue des dirigeants africains patriotes, choisis par leur peuple. Non, la pauvreté qui est à la base des flux migratoires ne relève pas d'un quelconque fatalisme. Le premier responsable de cette situation est bien évidemment l'élite dirigeante africaine qui a trahi les aspirations du peuple africain, mais il y a aussi la liste des faux amis, c'est-à-dire que ceux qui énoncent des principes universels, des droits humains et des règles démocratiques à tout va pour tromper leur propre peuple, alors qu'à travers des bases militaires installées en Afrique et leurs multinationales, ils maintiennent des régimes anti-peuple ici et déstabilisent là-bas, sans compter par ailleurs toute l'ingénierie financière et économique internationale destinée à soumettre les peuples africains aux politiques publiques. Par conséquent, les États dans lesquels il y a des départs, ce sont ce qu'on appelle des États faillis. Or, à la lumière des critères de ce qu'on appelle les États faillis, il y a donc un double défi géopolitique. Premièrement, incapacité d'assurer la fonction régalienne de contrôle effectif du territoire et des populations. Deuxièmement, perte de monopole de la violence légitime par la présence des guérillas, des bandes armées, des seigneurs de guerre, des groupes paramilitaires, d'organisations criminelles et terroristes. Comme conclusion, et le plus cocasse est que le remède qui est préconisé est l'envoi des troupes internationales ou alors des élections dites transparentes afin d'assurer l'alternance. C'est comme si, pendant la colonisation, il suffisait simplement d'organiser des élections pour que les peuples soient souverains. C'est pourquoi nous, Ligue panafricaine Umoja, au stade actuel, nous sommes contre les pseudo-alternances qui ne posent pas le problème de la souveraineté des peuples africains sur leurs ressources. Nous ne sommes favorables aux élections que si elles posent véritablement la question de la souveraineté. Les alternances viendront dans un cadre où la souveraineté sera recouvrée, car une démocratie sans souveraineté est une cruelle farce faite aux populations. Les problématiques soulevées par le pacte de Marrakech nous interpellent également sur l'impartialité du cadre dans lequel ces débats ont lieu, c'est-à-dire le système onusien. Comme nous l'avons
dit tout à l'heure, les pays de départ sont aussi victimes d'une prédation internationale impunie par le système onusien. Comment pourrait-il en être autrement quand l'organe exécutif de l'ONU, le Conseil de sécurité, chargé de sanctionner les États et de faire la sécurité internationale, est composé des États qui furent des empires coloniaux et qui sont souvent partie prenante au travers des intérêts économiques et militaires dans les États dits faillis, d'où partent effectivement les candidats à l'immigration. Il est tout de même choquant et aberrant d'accorder autant de pouvoir à 5 pays avec droit de veto dans la plus grande institution internationale qui en compte au moins 190. Par conséquent, nous sommes pour une réforme en profondeur du système onusien en partant du principe que c'est l'Assemblée générale qui doit avoir les pleins pouvoirs en la matière. Un pays, une voix doit être le mode de fonctionnement de base pour une institution qui prétend défendre les droits humains à l'échelle de la planète. En conclusion, nous dirons, nous ne sommes pas venus ici pour nous plaindre, nous ne sommes pas venus ici pour nous plaindre sur notre sort. Nous avons juste posé une analyse sur l'état du monde en partant des flux migratoires. Nous sommes un peuple qui est fier et debout. Nous n'attendons pas des autres de nous libérer. Le peuple africain recouvrera sa pleine souveraineté grâce à la poursuite de ses propres efforts. Nous appartenons, il faut souvent le répéter, au tout premier matin de l'histoire cosmique. Cela nous confère une certaine exigence dans le devenir de l'humanité. Ce n'est pas faire apologie que de le rappeler. En ce qui nous concerne, le panafricanisme, notre instrument de base, c'est le panafricanisme. Car, comme nous l'avons montré tout le long de cette intervention, qu'aucun État africain lilliputien n'a de chance de se développer face aux géopolitiques des États continents qui dominent le monde actuellement. Le panafricanisme demeure la seule idéologie issue de l'expérience historique des Africains qui intègre à la fois les solutions aux problématiques endogènes, car il en existe, mais aussi aux défis géopolitiques qui se dressent à l'Afrique depuis quelques siècles. Aux géopolitiques de prédation, de domination, qui divisent et opposent les peuples, le panafricanisme est une géopolitique de la justice et de l'équité entre les peuples. Merci beaucoup. Nous remercions M. Diogène. Je crois que le fond du problème a été réellement soulevé. Je passe maintenant la parole à M. Béchir, qui est directeur de l'Observatoire de la diplomatie et des études stratégiques. La parole est à vous. Merci bien, Monsieur le modérateur. Merci pour votre présence. Bon, je pense que tout est dit sur plusieurs niveaux. Je vais juste donc me concentrer sur deux points. Essentiellement un point lié directement donc à ce fameux pacte de Marrakech, le fait de ne pas avoir cette obligation internationale de respecter ce pacte. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert avec la montée des partis populistes? Je dis bien les partis populistes, exemple en Italie, avec l'extrême droite, exemple. Dernièrement, on peut considérer la France, elle est en train de suivre ce chemin-là, plusieurs pays aussi. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec telle politique, tel politicien, ils vont accepter ou ils vont mettre en application ce pacte-là? Moi, je pense que non, c'est loin même de nos rêves. Sauf que je pense que le conflit nord-sud a été basé tout le temps sur l'idée de s'enfuir de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame le droit de quitter son pays avec le respect de la souveraineté des États. Donc, on a tout fait de ce premier niveau-là, c'est-à-dire niveau des pays du Nord, pour qu'on n'assume pas notre responsabilité universelle à appliquer cet article. C'est de 1. De 2, on a suivi un petit peu l'histoire. À part M. Kofi Annan, je pense personnellement, et je pense que la plupart des gens autour de la table, ne peut qu'avouer son rôle important pour mettre en évidence ce processus, comme on dit, pour qu'on parle clairement de l'immigration. Je cite en 2003, par exemple, il a fait mettre sur pied la Commission mondiale sur l'immigration internationale. 2006-2013, il y en a, bien sûr, on a organisé ce qu'on appelle le dialogue de haut niveau sur l'immigration dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Et après, depuis 2007, on fait quoi? Le forum mondial de l'immigration et le développement.
Ok, maintenant, parlons un petit peu aussi du pacte de Marrakech. Il y a deux choses. Je ne sais pas, est-ce qu'on est en train de faire la distinction, oui, ou bien ça passait dans ce pacte. Vous savez, pacte, en anglais, c'est le package. C'est le tout. Pour moi, le tout, c'est ramasser tout, rassembler tout. Ça peut nous piéger. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a l'Organisation internationale pour l'immigration qui a échoué à certains moments. Et le fond de ce pacte de Marrakech, il est concentré un petit peu sur ça. Par contre, il y a autre chose. C'est le pacte sur les réfugiés qui a été, d'une manière ou autre, lié à ce sujet-là. Donc, avec un droit que je pense primordial, des réfugiés, des gens qui ont fui les guerres, des gens qui ont vécu la précarité, comme on les a vus en Libye, par exemple. Donc, si on essaie d'une manière ou autre à tout ramasser et en même temps à éliminer quelques droits sous prétexte que voilà, on a ce pacte-là, donc là, on sent que on n'est pas dans ni la bonne foi. Bon, la politique, on ne parle pas de la bonne foi, c'est vrai, mais même au niveau d'intérêt commun, on est loin d'avoir cet intérêt. Donc, je pense que le pacte de Marrakech, il a pris beaucoup d'ampleur, mais c'est de vide, vraiment c'est de vide, parce que, et ce qui m'inquiète toujours, c'est que on a, au sein de l'ONU, le Conseil de sécurité, le droit de veto, c'est l'injustice historique internationale. L'injustice, lorsque, par exemple, 15 à peu près fois, les Russes, par exemple, j'aime pas citer les pays, pays par pays, mais voilà, je vais le dire quand même, ils ont opposé à une décision contre le régime dictature de Bachar al-Assad via son peuple syrien, juste par un intérêt, disons, géopolitique. De quel droit? Lorsque les Américains, aussi de leur part, ont imposé le droit de veto plus que 15 fois contre des massacres commis par Israël contre le peuple palestinien. Voilà. Donc, si vraiment on va essayer ou on essaie de trouver un monde plus juste, c'est qu'on commence déjà par cette tête-là. C'est qu'il faut réviser et revoir cette histoire du veto qui est devenue injuste, de un, de deux. La sécurité, le Conseil de sécurité international. De même, aujourd'hui, on a l'Afrique, un continent très important, riche économiquement. Développement, on a 10 pays en Afrique qui ont marqué des records. Le Rwanda, je cite, etc. On a des autres pays. Pourquoi l'Afrique n'est pas là? Pourquoi des autres pays, même au Moyen-Orient, qui maintenant, on ne parle plus de pays développés ou sous-développés. Des pays qui sont vraiment maintenant des pointes niveau et des bases économiques et géostratégiques même dans leur sphère, disons, géopolitique. Donc, je pense que ces points-là, vraiment, ce sera la priorité qui nous ramène à un constat clair. Le pacte de Marrakech, ce n'est que de la commercialisation. La preuve, et je finis par ça, je me souviens, en parlant un petit peu des gilets jaunes en France, et vous savez, à ce moment-là, il y a M. Macron qui était à Marrakech, bah, le premier message qu'il a fait passer, écoutez, les Français, on n'est pas obligé finalement à l'appliquer, tel qu'elle est, à peu près ça. Donc, vraiment, on est loin d'avoir ce rêve-là, et on essaie de trouver les solutions, mais autrement. Merci. J'aimerais commencer à donner la parole dans la salle, si jamais il y a des questions, mais juste pour faire un petit résumé. Donc on a bien sûr mis en avant ce pacte de Marrakech, mais chère Madame Ava nous l'a très bien rappelé, qu'il était très important de voir tout ce travail en amont qui a été mis en place. Donc elle nous a bien rappelé que la première pierre à l'édifice a été mise en 2001 par M. Kofi Annan, donc le pacte a été signé à Marrakech en 2018. Donc ça fait quand même 17 ans. Donc pour vous dire que ce sujet, entre guillemets, tabou qui concerne le monde entier, on a réussi à
concocter un pacte 17 ans après. Donc c'est un travail de très très longue haleine. Donc il faut vraiment savoir que c'est un marathon. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir, c'est pas pour mettre en place un tableau noir, pas du tout. Mais c'est pour qu'on puisse être conscient de la réalité. Deuxièmement, on a parlé de la montée aussi, M. Béchir en a parlé, par rapport à la montée des politiques populistes et de l'extrême droite, il faut le dire telle quelle, parce que vous savez qu'en France, sur les dernières élections, par exemple européennes, le Front National a été la première formation politique, un peu loin derrière M. Macron. Donc on voit un peu cette tendance qui évolue. Donc avec cette montée-là, le problématique est le manque de cette volonté politique qu'il y aura en Europe pour essayer de trouver une solution saine est concrète par rapport à ce problème migratoire. Donc tout ça a été dit. Bon, un problème de fond qui a été soulevé aussi par M. Diogène concernant les cinq qui décident pour le sort du monde entier, des autres pays. Donc on n'est plus dans les années 1950. Tout a changé, pour résumer brièvement. Donc aujourd'hui, je pense que la donne devrait être changée et un peu plus équitable pour qu'on puisse prendre des décisions un peu plus équitable. Donc sur ce, j'aimerais passer la parole dans la salle. Je crois qu'il y a un monsieur qui a levé la main. Donc la parole est à vous. Oui, alors ça ne sera pas vraiment une question. Je me présente, Martial Appy, membre fondateur de l'AIGEP. Donc nous sommes ensemble avec Auguste. Nous sommes très ravis de participer conjointement à l'organisation de cet événement qui touche les questions essentielles de l'humanité. Je tiens à saluer ici le brio, l'intelligence de... Moi, j'appelle Maman Awa parce que c'est notre impulsatrice ici à Genève. Je citerai aussi Maman Manco aussi, hein, qui nous soutient pas mal. Alors, pour revenir là-dessus, je ne vais pas poser une question, mais je vais plutôt renchérir dans le sens que c'est un grand package. Monsieur Béchi l'a souligné, c'est un très grand package qui est très beau. Et on vit aujourd'hui dans une interprétation géopolitique de la, en termes de la chose, on vit dans un monde, je dirais, multipolaire aujourd'hui, où finalement toutes les interactions, les interactivités se concernent et se rejoignent à un moment donné. Et effectivement, si on se questionne, on s'interroge à l'institution qui est l'ONU, c'est pas une critique, on constate quand même certains manquements et un certain déséquilibre. Les peuples, effectivement, ont des attentes énormes. Je vais simplement m'arrêter sur, justement, l'action de la société civile qui est fondamentale. Donc, Maman Awa l'a souligné aussi, qui est un acteur important, étant donné que les politiques sont un peu démissionnaires dans ce côté du continent. Et peut-être, oui, voilà, pour vous aussi, comment voyez-vous... finalement, une question. Comment imaginez-vous, après votre analyse qui est juste extraordinaire, cette expertise vraiment très pointue, comment imaginez-vous, en fait, si on doit le relier à la problématique, du moins au pacte de Marrakech, comment imaginez-vous, j'allais dire, une solution transversale, d'accord, sur un support onusien par rapport à la problématique donnée, c'est-à-dire... ces peuples qui ont toujours cette volonté de migrer de toute façon, quoi qu'on puisse dire, et qui ne sont déjà pas assez sensibilisés des ressources et du potentiel que possède leur continent. Et cette diaspora qui est, je dirais, un peu à porte-à-faux, comme ça, entre les, j'allais dire, l'investissement ou du moins les moyens mis en place, et qui certains même, bien que bien formés et très instruits, souvent se retrouvent finalement prisonniers, j'allais dire, après leur formation et dans leur emploi, finalement prisonniers dans un système qui est assez puissant, un système qui est assez puissant psychologiquement et moralement, et qu'en face, il n'y a pas de réponse. Comment imaginez-vous, j'espère que ma question est assez claire, parce que c'est vrai que j'ai utilisé des termes assez techniques, comment imaginez-vous, justement, une solution, j'allais dire, efficace? Ça sera ma question, et merci encore. Je crois que la question est pour Monsieur Diogène, c'est ça? Alors, elle est pour vraiment tous les panélistes, hein, donc le premier qui veut bien... voilà, qui merci. Veut bien répondre. Voilà. Je pense que la question est pertinente parce qu'elle fait poser le point là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'on cherche à résoudre un problème politique par les institutions internationales.
les États dans, à partir desquels les gens partent sont des États faillis. Sont des États faillis. Les migrations dont nous parlons ne sont pas des migrations normales. On ne peut pas normaliser le départ par la pauvreté. Donc le problème de fond, c'est de résoudre le problème des redistributions des richesses dans les pays d'où les gens partent, que tout le monde ne veut pas voir. Pour moi, je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie internationale de venir résoudre un problème au niveau de l'ONU, alors même que les États qui refusent que les gens viennent en Europe sont des États qui font partie du problème. Ils ne peuvent pas déstabiliser les pays africains, créer des guerres dans les pays africains, déstabiliser l'Est de la RDC. Curieusement, c'est là où se concentre la plupart des richesses, et expliquer qu'il ne faut pas les recevoir d'une part, mais en même temps, on ne dit rien aux pays africains. Les pays africains sont les premiers responsables, parce que les pays africains laissent leurs richesses partir, contribuent à cette déstabilisation de leur propre pays. Et donc, nous nous retrouvons comme dans les années 60, quand on a perdu sa souveraineté, normalement, le pays n'est plus un pays normal. C'est un pays qui doit recouvrir sa souveraineté. L'ONU devrait même reconnaître le fait que les populations africaines qui se battent pour les redistributions chez elles doivent être reconnues comme des interlocuteurs vis-à-vis des institutions internationales. Donc on ne peut pas légitimer des gouvernements qui sont responsables de la misère, de la pauvreté, d'une migration anormale, et en rendre normal dans les institutions internationales. Il y a simplement quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai l'impression même qu'on n'est pas dans le cadre approprié. C'est un problème purement politique, et les pays qui refusent de recevoir aujourd'hui ces personnes sont co-responsables, puisque à partir des bases militaires, à partir des multinationales, il y a tout un déplacement. Alors d'ailleurs, le pacte de Marrakech devrait intéresser plutôt les pays africains, puisque les flux migratoires les plus importants sont à l'intérieur du continent africain. Donc, à mon avis, les pays européens sont tout à fait en droit de refuser d'appliquer le pacte de Marrakech, parce que ça remet en cause toute l'idéologie du mensonge qu'ils ont déversé à leur propre population. J'ai dit tout à l'heure dans mon texte qu'on a fait comprendre aux peuples européens que s'ils ont la prospérité, c'est par leurs propres efforts et par le génie de leurs dirigeants. C'est faux. Si on ne pose pas ces analyses parce qu'on a peur de les poser, on est toujours à côté du problème. Et les dirigeants africains sont les premiers responsables, évidemment. Merci. Merci. On va prendre une autre question, je crois, madame. Vous avez une question? Je crois qu'il a un peu répondu. Répondu. Moi, je trouvais ça me déprimait de voir qu'on trouvait que la solution, c'était l'immigration. Au lieu de dire aux Africains que la solution, c'est chez vous. Et puis de parler aussi de l'apport des immigrés, comme si on n'avait pas beaucoup de richesses qui peuvent résoudre le problème. C'est-à-dire qu'il faut arrêter vraiment de dire aux Africains que la solution, c'est ailleurs. Il faut leur dire que la solution, c'est chez eux. Comme ça, peut-être qu'on n'aurait même pas à faire des panettes comme ça. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Notre collègue Diogène a vraiment souligné le point au niveau de l'Afrique. Mais nous sommes ici quand même aux Nations Unies. Donc on pense aussi que la solution peut aussi venir de ce côté. Donc, c'est complémentaire ce que je vais dire. Donc, le Conseil de sécurité investit d'une mission, c'est-à-dire de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Voilà, les missions est indiscutable là-dessus. Est-ce que cinq pays peuvent avoir autant de pouvoir? Tout en sachant que dans ces pays africains, aujourd'hui, le Cameroun, c'est une zone, que ce soit à l'est, à l'ouest, c'est une au nord aussi, c'est une zone qui est constamment instable, en fait. Donc, est-ce que cinq pays peuvent avoir le droit de veto? Monsieur Béchir l'a souligné aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en Syrie, compte tenu de ce qui se passe en Palestine. Donc, autant de choses. Donc, je pense aussi que la réflexion doit aussi nous amener des deux côtés. Donc, c'est-à-dire ce qui se passe, l'immigration intra-africaine, dont vous en avez souligné, mais de l'autre côté aussi, les institutions aujourd'hui qui ne répondent plus aux questions modernes, tout simplement. Les Nations Unies ont été créées pour une problématique bien précise, pour une époque bien précise, mais ça doit aller vers l'avant. C'est une critique, on doit s'améliorer. On ne doit plus être figé par rapport à des problématiques de 1950 et 1945. C'est ça la difficulté. Tout à fait, très bien. Madame, avant vous aviez... Non, je voudrais dire simplement à ma fille et à ma soeur... C'est ma tata. On est bien entouré, dis donc. Que le problème de l'Afrique se résume à un seul vocable,
qui s'appelle gouvernance. Une question de bonne gouvernance et de mauvaise gouvernance. Les problèmes sont multiformes. C'est la raison pour laquelle je fais partie des gens qui se sont battus à Addis Ababa lors de la première conférence OUA Société Civile pour dire que les problèmes de l'Afrique sont multiformes. Donc il y a des problèmes politiques, des problèmes économiques, mais du côté de la société civile, il faudrait qu'on donne de la considération à une tranche de population extérieure de l'Afrique qui permet aux populations de manger, qui permet aux populations de se soigner. Cette diaspora-là paye l'éducation des enfants. Donc, il faudrait qu'on leur donne plus de considération. Et c'est la raison pour laquelle cette diaspora-là est devenue, comme une boutade, sixième région du continent. Mais c'est devenu une coquille vide à l'Union africaine. Diaspora sixième région, il faudrait qu'on aide cette diaspora-là à mieux s'affirmer dans nos pays d'accueil. Parce que comme on le dit, il y a cette question aussi de, comme on dit, de plafond de verre. Que beaucoup d'enfants de cette diaspora-là, même s'ils ont fait de grandes études, ont du mal à percer. Donc il faudrait qu'on en parle aussi. L'intégration professionnelle de cette diaspora. Et ça, ça dépend de la bonne volonté des gouvernements de nos pays d'accueil. Donc, il y a un travail. Deuxièmement, je crois que quand on parle d'entrepreneuriat, ces immigrés africains qui ont envie, qui ont la volonté, un sursaut patriotique d'aller participer, de créer l'emploi, ils peuvent avoir un plan d'action, une entreprise. Mais ils sont confrontés avec les banques locales de nos pays d'accueil qui vont leur dire on ne va pas vous donner l'argent pour aller créer des entreprises à 9000 km d'ici. Ce même immigré descend à Dakar, à Abidjan ou à Kinshasa pour dire j'ai une entreprise à créer. Je vais donner de l'emploi aux jeunes. Mais les banques locales vont lui dire mais vous n'habitez pas Kigali. Mais vous n'habitez pas Bujumbura. Vous venez de Suisse, vous venez d'Allemagne, vous venez de Nouvelle-Zélande. Donc, cette diaspora-là est muselée financièrement. Alors que Dieu sait que son projet peut apporter la richesse et l'emploi dans son pays. C'est la raison pour laquelle je me dis qu'il faudrait que la communauté internationale. Parce que comme dit M. Béchir, ça fait sourire le pacte de Marrakech. Parce que contrairement au pacte avec les réfugiés, il y a un droit international qui oblige les États. Tandis que le pacte sur la migration n'est pas contraignant, comme il dit. Donc vraiment, c'est à la société civile de se lever et de leur dire, écoutez, nous n'allons pas tourner en rond. C'est ça que nous voulons. Et puis, y aller tout simplement. Donc, pour ce problème de l'entrepreneuriat et l'accès au crédit, à l'investissement, il y a une initiative qui a été mise en place ici à l'OIM en mars 2010 d'un World Diaspora Fund. Il faut qu'on se demande, c'est devenu quoi depuis 2010 ce World Diaspora Fund? On ne donne pas l'argent aux entrepreneurs de la diaspora, mais c'est un fonds de garantie pour que lui, il puisse avoir la latitude d'aller vers une banque du pays d'origine ou une banque
du pays d'accueil. Le World Diaspora Fund a été mis en place ici. Et l'autre, c'est un observatoire. Un observatoire a été mis en place international, j'ai dit. C'est ça l'ironie. Ça veut dire qu'il y a l'Asie, donc un observatoire des paiements sur 49 paiements, c'est-à-dire les pays les moins avancés du globe. 34 sont africains, 14 sont asiatiques. Ils se sont réunis à Cotonou en 2006 pour mettre en place ce qu'ils appellent l'OITFM, Organisation internationale sur les transferts de fonds des migrants. Mais aujourd'hui, qu'est devenu l'OITFM? Où la Turquie avait donné de l'argent, la Banque mondiale avait donné de l'argent, etc., etc. Donc, ça aurait permis à l'Afrique. Parce que quand on dit international, l'Afrique est noyautée là-dedans. À la prochaine conférence internationale sur les paiements organisée par une institution qui est au-dessus de nos têtes, la CNUSET, ça va être à Bhoutan. Parce que c'est tous les 10 ans. La dernière fois, on s'est réunis à Istanbul en 2011. Prochaine conférence internationale sur les paiements, ça sera dans 2 ans, en 2021, à Bhoutan, en Asie. Ce qui est sûr, les 14 pays asiatiques ont de fortes chances de sortir de cette catégorie économique. Mais les 34 pays africains, je souhaite à l'Afrique bonne chance. Donc, il faut que la société civile se lève pour qu'il y ait un observatoire international des paiements pour l'Afrique. Démembré de ce qu'on appelle mondial, international, etc. Parce que le continent va être noyauté tout le temps dans ces initiatives mondiales ou internationales. Merci. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de venir jusqu'ici. Nous étions, en tant que COGEP, à Marrakech. J'ai moi-même assisté à la signature du pacte. Nous avons organisé une conférence pendant le pacte sur la situation, les conditions de vie des migrants qu'ils ont illégalement eu accès au territoire français en France. Un contexte que je connais moi-même personnellement de très près, avec lequel j'ai eu aussi l'honneur de m'exprimer. Et en fait, je pense que notre panel a vraiment bien résumé la situation. Comme M. Béchir l'a dit, le pacte, qui est pourtant une dizaine d'années de recherche et de travail, est vide et complètement inopérant. Je veux attirer l'attention sur le fait que ce pacte, c'est de l'argent, c'est des moyens, c'est des gens qu'on aurait pu utiliser pour que des très jeunes enfants ne se noient pas dans la Méditerranée, en fait. Et c'est pas des petits moyens dont on parle, c'est de très très gros moyens. Et je vous assure que ces moyens-là, quand on en a conscience, on se dit, mais en fait, jusqu'où en fait on va gaspiller de l'argent pour des choses, pour des vitrines, pour des figurants? Jusqu'où on va accepter de gaspiller cet argent? Quand est-ce que nous, la société civile, on va se réveiller et qu'on va accepter d'interdire ce genre de situation? Parce, exactement comme l'a dit aussi Madame Andy Awa, la société civile doit se réveiller autour de la question de la migration et expliquer gentiment ou pas au gouvernement que dorénavant ils vont devoir jouer avec nous, parce que finalement à leur niveau c'est qu'un immense jeu où populations africaines, mais également les populations européennes, parce que le petit Européen qui gagne le SMIC, vraiment, il a du mal à s'en sortir aujourd'hui, en fait. Sont usés, du coup, cette part de la population, 99% de la population africaine, européenne, partout dans le monde, de l'Inde, n'en parlons pas, est donc usée pour les ressorts d'un petit nombre de personnes dans les gouvernements, dans les multinationales, qui s'en mettent plein les poches et du coup qui créent des systèmes qui permettent à ces,
qui créent des systèmes qui permettent à ces contextes de se développer très favorablement pour eux, bah déjà à cause de nous, parce que nous ne faisons rien, nous entretenons ces situations en acceptant de les vivre, et eux parce que du coup ça sert à leurs intérêts. Mais je pense que vraiment à partir de maintenant, c'est la société civile qui doit prendre la parole et expliquer au gouvernement qu'ils doivent dorénavant travailler avec nous, qu'ils n'ont absolument plus le choix, parce que faire de la diplomatie c'est très bien, mais en attendant je voudrais vous rappeler que partout dans le monde il y a des femmes qui se font violer, qu'il y a des enfants qui attendent vraiment dans la faim, la soif, la pauvreté, qu'on les aide en fait. Quand on est assis autour de beaux bureaux comme nous, c'est peut-être difficile à se rappeler de tout ça, mais actuellement, ici, on ne fait pas de la politique. Les choses dont on discute, les choses dont on parle ont une incidence directe sur la vie d'enfants, de mères, de pères, de frères, de sœurs, qui sont peut-être très loin, mais qui existent et qui ont mal. Et je vous assure que la faim, la soif, la pauvreté, la famine, le viol, je ne le souhaite à personne. Et si on veut que ça s'arrête dorénavant, en fait, c'est à nous de parler, de nous exprimer, de montrer notre mécontentement directement ou indirectement, et surtout au sein de l'ONU, parce que l'ONU est vraiment un organe incroyable. Quand on passe un peu de temps ici, on se rend compte qu'il y a des gens du monde entier qui se parlent, qui se connaissent, qui prennent la peine d'échanger ensemble. Et si on arrivait seulement à faire en sorte que cet organe travaille légitimement, on pourrait arriver à temps en Syrie, on pourrait arriver à temps en Afrique, on pourrait arriver à temps avant que toutes ces femmes se fassent violer, avant que tous ces enfants se fassent massacrer. Et nous, tant qu'on n'aura pas réussi à temps, en fait, d'arriver à temps, notre mission sera tous, la société civile, tous les gouvernements inclus, un échec en fait, et on sera tout aussi complices des terroristes que leurs actions eux-mêmes en fait. On sera complices tant qu'on n'aura pas levé la voix une bonne fois pour toutes, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde. Et encore une fois, je voudrais attirer l'attention sur le fait que quand on fait de la diplomatie, on a l'impression de faire des affaires d'État, un peu comme du business, mais tout en restant dans la théorie, on n'a pas l'impression, parce qu'en fait, on ne l'a pas sur la conscience, ce qu'on fait. Alors que chaque mot, chaque vote, chaque chose devrait être minutieusement pensée de façon à se dire qu'on l'a sur notre conscience, en fait. Je suis désolée, mais si à 6000 km, il y a une femme qui se fait violer, potentiellement, c'est à cause de nous, ici, en fait. Parce qu'on n'a rien fait, parce qu'on n'a rien dit. Et si tout le monde avait cette conscience, je pense que les choses évolueraient très vite, mais on ne le prend pas sur nous en fait. Quand une femme se fait violer là-bas au fin fond du monde, on ne le prend pas sur nous. Quand une petite fille de 12 ans est mariée de force, de 8 ans, de 6 ans est mariée de force, on ne le prend pas sur nous. On ne se dit pas c'est ma faute parce que j'ai rien fait. On se dit oui, je pourrais faire. Tout à fait, je pourrais faire, mais j'ai autre chose à faire. Non, tout ce qui se passe là-bas, c'est de notre faute. Et le jour, parce que, enfin, je le dis assez souvent, mais faire, c'est exactement comme ne pas faire, et ne pas faire, c'est exactement comme faire en fait. Moi qui suis croyante, je pense que Dieu nous demandera de rendre des comptes plus sur tout ce qu'on n'a pas fait que sur ce qu'on a fait en fait, sur tout ce qu'on n'a pas osé dire plutôt que tout ce qu'on a dit. Et je pense que si tout le monde avait cette conscience de penser, les choses évolueraient très vite. Et nous en tant que COGEP, actuellement on mène un programme qui concerne à demander la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc nous revendiquons 2 sièges permanents pour le Conseil de sécurité. Nous souhaitons que ce soit l'Afrique qui décide de comment elle sera représentée en même temps à l'ONU, donc une fois qu'elle aura acquis ses sièges permanents. Nous revendiquons, à la différence de tous les pays qui veulent faire partie des privilégiés, nous revendiquons que le droit de veto soit annulé, et nous revendiquons également qu'un siège permanent soit attribué à la société civile en tant que telle, pour que quand un pays ait une dérive autoritaire, nous, la société civile du monde entier, nous pourrions lui dire stop. Et ce projet peut paraître très ambitieux, mais comme je l'avais dit, il fait peur aussi à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens ont peur de perdre leurs petits privilèges. Si Nelson Mandela avait eu peur, si Rosa Parks avait eu peur, si beaucoup de gens avaient eu peur, que serait le monde aujourd'hui en fait? Si personne n'avait jamais eu de l'espoir que ça arrive, toutes ces choses auxquelles on ne croit pas aujourd'hui, que serait le monde? Et nous, dans le COGEP, on a cette mentalité-là, et on vous invite à faire partie de notre groupe et de se battre dans ce sens. Merci de m'avoir écouté, même si c'était plus long que prévu. Merci beaucoup.